Salut à tous, c'est Captain Falcon et on se retrouve donc mercredi pour un nouveau gameplay sur Rising Storm, donc gameplay numéro 2. Et cette fois-ci, donc pour m'accompagner, j'accueille Monsieur French Boy. Salut. Salut. Donc petite aparté, il va avoir aussi sa vue, donc je vous donnerai sa chaîne et tout ça. On en parlera un petit peu après. Pas de problème. Et le deuxième, Saden, ça se dit comme ça ? Ouais, c'est ça, c'est Saden. Saden. Donc, bonjour voilà, à tous. Donc, merci pour votre participation. Bah de rien et merci de nous accueillir aussi. Il y a pas de souci, donc ça a été un petit peu chaotique au niveau de la date de rendez-vous. J'ai pas mal changé tout ça par rapport à caler tout le monde comme il faut. Mais bon, au final ça se fait quoi. Non, ouais, donc bah merci à vous deux. Donc niveau gameplay, donc on est encore sur Guadalcanal. Donc décidément, elle tombe souvent cette map. On aime bien la nuit. Ouais. Donc on va essayer de. Ou pas. De ouais, faire deux ça. Parties, ouais, j'avoue que là, je suis en train de galérer. Elle est vraiment compliquée comme map parce que. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bots et un joueur. Ah, c'est qu'il y a pas mal de bots. Bon, on a du mal à voir les joueurs dans la nuit, mais les bots, ils s'en foutent complètement. Hein. Ouais, ils tirent bien. Ils pourraient avoir un bandeau sur la tête, ils s'en foutent, ils sont scriptés. Non, mais on va essayer après de se faire une nouvelle map. En plein jour, si possible. Ouais. Si on remet Guadalcanal, je chiale. Non, je pense pas. Aucune fierté sur YouTube, je m'en fous complètement. Je vais essayer de passer par la droite. Je respawn sur le chef d'escouade hein, si y en a qui veulent venir avec moi. Oh là là, ben, on se fait vraiment torcher là, c'est violent quoi. Donc on a quand même fait quelques parties d'échauffement avant de lancer la vidéo, mais au final ça sert un peu à rien parce que je suis en train de me faire allumer, mais violent quoi. Oh bah, c'est le cas pour tout le monde. Le problème, c'est ces bots. Ces bots, ils sont. Ben ouais, ils nous bottent le cul. Voilà, donc c'est le blague que vous avez été offert par Sardin Corporation. Ah, je vais la censurer au montage. Ah non. Ah, c'est vrai que voilà, je vais essayer de me reprendre. Oh, d'accord, mais à peine j'ai spawn, je me fais détruire par l'AMG. Ah oh ouais, mais non, aussi les bombardements. Genre, en fait, je pense qu'on va passer une vidéo à rager, ça va être génial. De faire un peu de tir de suppression. Bon, moi je suis sur le point A. Bah, je suis à 20 mètres. Je suis à 20 mètres du point A. Bah, j'ai spawn juste à côté et je suis mort juste à côté. Ah, dommage. J'en ai eu un là qui. En plus, le mec il est un pseudo, c'est des tétons quoi. Ah oui, 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 je l'ai vu. Ouais. C'est pas mal comme pseudo ça. Père de nichon. Mec, il a passé 3 heures à faire ça, tu sais. Donc là j'ai fait deux beaux frags, on va essayer de. Ah, pour l'instant j'ai un peu de mal parce que juste j'ai des bots qui balancent des. Super, je me suis fait TK, bah, c'est cool, j'avais vraiment besoin de ça. Ah, cool, j'ai été je suis réapparu. Ah, j'ai eu l'amélioration il n'y a pas très longtemps sur la mitraillette légère des Japonais avec la nouvelle mire. Que je ne joue strictement jamais d'ailleurs. Et l'anti-recul, et j'avoue qu'elle est. C'est pas exceptionnel, mais c'est vrai que c'est sympa. Oh, putain. Mais. Oh là là, mais laisse tomber quoi. Sur dans les petits bouts. Non, l'AMG du bunker là, il est horrible. Et j'arrive pas à l'avoir. Ah, ça y est, vous l'avez eu. C'était le mec dans le bunker là ? Ouais, à gauche. Ouais. Bah non, mais c'est bon, on a pris la base là. Je crois. Ah ouais ? J'espère. Ah oui, ouais. Ouais, s'il balance pas encore un fucking bombardement cheaté. Ah, mais arrêtez de balancer des fumigènes. Nous, on y voit rien et les bots ils y voient tout. Ils voient tout. Ok, je me suis fait shot à rabattre. Le mec qui m'est passé au-dessus. Oh punaise. Là j'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs. Possible. On dirait ouais. Ah, il est difficile de se retrouver parce que là ils ont mis l'option on peut pas voir les noms de loin quoi. Merde, je crois que j'ai tué un mec à nous. Ouf. On a TK à la grenade. Ouais ouais. Dommage. Oh mais non, putain. Pendant qu'ils sont occupés à faire 5 mètres, on va passer par l'autre côté.
Bon, je spawn sur le chef des squads, hein, si vous mourrez, bah, il est mort. Hein. Je l'ai vu en direct. Ouais, moi aussi. Pas mal, quoi. C'est dommage. Ah bah, de toute façon, j'ai spawné quand même à côté de lui, puisqu'il est mort. Un chef de squad, faut pas forcément rusher. Oh, lance-flamme. Oh là là, je le vois, mais je sais pas où il est. Je sais pas, y en a un qui tire dans le spawn pendant à le spawn. À travers les fougères, c'est un peu compliqué quand même de voir des lance-flammes. Ouais, je l'ai eu. Oh putain de blessure mortelle. Oh, ah, il est... ah, d'accord, il est là. Ah non, je suis pas mort. Ah, cool, ah, c'est bien ça. Ah oui, mais à cause de la nuit, je crois que j'ai comme l'écran s'assombrit vachement, j'ai l'impression d'avoir pris une blessure mortelle. Ah bah voilà. Et deux. Bon, bah c'est bon, je me suis fait cramer. Dans les deux sens du terme. Oh putain, je suis loin du point. Il y en a un qui est collé là. Je le vois pas, sérieux. Je vais me faire défoncer. Il y en a un qui est vraiment à la limite de la, à droite de chez nous, mais je le vois pas. Je me dirige là vers la droite. Attends, j'aime pas être à couvert. J'aime pas être à découvert. C'est assez violent là. Oh putain. Oh. Ah, c'est Nichon qui ah, le lance-flamme, je l'ai calmé là. Ah oui, en effet. Ah là, mais le problème dans cette map, c'est que vraiment, tu peux pas faire 5 mètres avant de te prendre une balle, quoi. Ah, j'avoue que c'est chaud. Ouais. Je vais essayer de traverser. Allez. On y croit. Il y a un lance-flamme qui débarque, assistance. Aïe, et ouais, le mec à 24 mètres. Le bar, il est dévastateur. Le bar, non, mais ça, c'est vraiment... Surtout quand tu l'as niveau 25, t'as une petite poignée pour contrer tout le recul. Oh non, putain, la chance, c'est un sniper, quoi. Oh, c'est joué à la microseconde près. Oh, j'aurais dû lancer une grenade, en fait. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est un bon bombardement pour les calmer, là. Derrière les lignes, là. Et ouais, mais c'est comme ça que tu progresses, là. Ouais. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué dans le jeu, c'est le seul jeu où vraiment les grenades fumigènes sont utiles. Ah ouais, j'avoue que les grenades fumigènes, elles sont super utiles. Oh bah lui il a pris cher. Je sais pas où ils sont. Ah j'ai eu Nichon. Ah bah je suis juste derrière toi. Aïe. Et je suis mort. Aïe, j'ai pris cher. Ah oui bah il nous a eu tous les deux. Oh, il y a un lance-flamme là dans les parages. Oh, allez, on va lancer une grenade au pif. Vous spawnez où vous? J'essaie de repasser par la droite là. Ouais, allez. Moi aussi. Par la droite? Bah j'essaie de vous rejoindre alors. Oh punaise, j'ai blessé un gars. On va faire ça bien. Vous êtes à côté d'un camion? Non, c'est pas lui, non. Pas vous. Je suis mort. À droite, ils nous attendent. Ouais, bah ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Oh, mais non. J'ai touché au pancréas, mes jours sont comptés. Allez hop, on court, on ah court. Ah putain, mais c'est déjà galère la nuit, mais en aïe, plus, quand t'es blessé, c'est vraiment horrible. Ah oui, là, vous vraiment. Moi, je suis vraiment à droite, là, pour le coup. Du coup. Moi aussi. Ouais, je suis complètement sur le. Sur la droite. Là, j'ai l'impression qu'on est tous sur la droite, en fait. je vois que des joueurs sur la droite. Je suis au niveau de l'arbre. Eh merde, je suis sorti de la zone de combat. Je suis sorti de la zone. Putain, le verrouillage. J'ai eu un peu de chance. Bon. Oh, la grenade bien placée de Paranoid Baboum. Ouais, GG. Elle était mieux placée que son nom, on va dire. Ouais, je...
Oh putain, lance-flamme, il m'a sans doute pas vu. On va espérer qu'il m'a pas vu. Si c'est ah, un le problème, bot, on j'ai galère, aucune c'est pourquoi? Parce que notre chef de squad, c'est un bot. Non. Et si, il fait n'importe quoi, il court dans tous les sens là, il bouge pas depuis tout à l'heure. À la rigueur, faudrait qu'il y en ait un qui prenne chef des squads. Ouais, ah, je vais peut-être changer. Ouais. Bah, si tu prends chef des squads, on se fait notre petite escouade et on y va en banzai. Elle est, c'est très utile le banzai dans cette map, alors là, je pense que ça va être le seul truc utile des japonais. Dans cette map, en tout cas. Putain, je suis en plein territoire ennemi, je vais me prendre une balle, je me suis pas pris de balle. Putain. Je me suis pris une balle. Et oh non, en plus c'est un TK, mais... Oh là là. Alors, il est où l'objectif? T'as 80 mètres, putain, c'est loin encore. Ouais, mais là, si on gagne, franchement... J'avance tout doucement. Bah, le problème, c'est que les droite. Deux camps ont des bots, sauf que c'est les, comme les Américains sont de toute façon avantagés au début de la map. Non, mais je me suis fait avoir au flingue, quoi, je suis trop mauvais. Tiens, lance-flamme, j'ai essayé de l'avoir la grenade. Ah punaise! J'ai fait deux jolis kills au sniper. Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu quand même. Et je vais crever comme une merde à la grenade. Bon là je joue très très mal parce que je ne vois rien en fait. Oh là là, il m'a eu cette fois. Tout à l'heure c'était vraiment, moi et là j'ai vraiment tout pour assombrir l'écran. J'ai le soleil dans les yeux IRL, j'ai la nuit et tout. Donc en début de vidéo je parlais de Monsieur French Boy qui filme sa partie, donc on peut peut-être en parler deux mots pendant le changement de carte. Perdu. Oui. Donc t'es youtubeur aussi, donc tu fais des vidéos sur Rising Storm aussi. Est-ce que je fais des vidéos donc sur Rising Storm, sur en ce moment sur du Minecraft, beaucoup du DayZ. En même temps, c'est aussi un peu grâce à toi que je me suis mis à YouTube. Hein. C'est à l'époque où je te suivais, où je pense que beaucoup t'ont suivi, sont abonnés à ta chaîne avec quand tu faisais tes aventures avec sur DayZ avec Hegel. Donc là, je pense c'est là où je t'ai découvert et puis bon, j'ai pas arrêté de te suivre et puis je me suis dit bon, s'il peut le faire, je peux le faire. Et puis, ouais, et puis bon bah voilà, je m'y suis mis comme ça petit à petit et puis voilà, c'est en regardant les autres et que je m'améliore quoi en fait, je pense et puis que ça me donne envie de faire encore plein d'autres choses quoi. Bah ouais, non, c'est sympa, en plus ça permet de rencontrer des gens et tout ça, de partager. Oui, bah voilà, c'est pas la mal. Preuve aujourd'hui. Ouais. Après, faut pas trop se prendre la tête, faire ça pour le plaisir. Complètement. Ouais. Parce que nous, bon, on a pas fait grand chose d'exceptionnel, hormis des aides, bon, ça a marché, ouais, voilà, c'était pas. Comparé à d'autres, on va dire que ça a marchoté, bon, nous on était contents, mais. Dommage qu'après les gens soient. Oui, dommage qu'après les gens n'aient pas forcément. Enfin, pas tout le monde, je généralise pas, mais. Beaucoup n'ont pas suivi, tant pis. Oui, bah c'est. En c'est général, oui, il s'abonne. Parce alors, qu'est-ce qu'on prend Allier ou. Tu fais un truc. J'ai pris Allier là. Bon, on prend Allier là. Bah moi, ça change côté. Enfin voilà, en tout cas, Tavus sera disponible donc, de cette partie. Ouais. Donc ça peut être sympa d'avoir les deux points de vue. Exactement. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo et puis bah. Allez-y, jetez un petit coup d'œil, ça lui fera plaisir. Voilà. Abonnez-vous. Allez, donc là on est sur la map Anto. Ah c'est bon, je suis derrière toi Falco. En fait c'est un peu comme Guadalcanal, mais deux jours. Voilà. Oui. Un peu plus petit. Voilà. Ah bah c'est sur celle-là que j'avais fait d'ailleurs j'étais un player killer avec le lance-flamme. Ah, le lance-flamme est très utile sur cette map. Vraiment dans les tranchées, ça fait vraiment très très mal. Tu peux vraiment faire des 5 tubes kill facile. Ah, c'est vrai qu'elle est. Vous êtes allé. C'est un japonais, lui. On allié. Ah bah non, c'était un américain. Putain, faut vraiment que je différencie les costumes, hein, Veda. J'ai hésité à tirer. Ah, je suis bloqué par la corde là. Je passe sur le pont, contre, c'est j'ai tué un pote. Surtout pas faire. J'ai tué un pote, c'était pas très bon. Les gens ne vont pas trop m'aimer. Bon bah en fait non, ah bah je me suis fait TK. Du coup j'ai un moins 2, pas beau. Bref, premier kill TK, je suis vraiment pas bon.
J'ai pardonné à ce pauvre Morbin Monroe là qui m'a. Aïe, fâché sur place. Je me demande comment une balle on peut être touché à deux endroits différents, mais ça fait mal, ça. C'est pas trop grave. Bah, si, t'as pris de, si t'as pris de flanc, ça a traversé. Ah mais non, j'ai la main touchée et la jambe, donc ça va être un peu difficile quand même. Oh non. Bah j'avais la main sur le genou puis je me suis fait tirer dessus. On va passer, on va faire la fouine, on va passer par la forêt. Des fois ça contourne pas mal derrière. Alors moi je suis dans le bunker. Et je suis plus dans le bunker parce que je me suis fait avoir la grenade. GG d'ailleurs. Voilà, une bonne fouine, je savais qu'il y en aurait. À chaque fois il y en a qui contournent. Et de essayez de spawner sur le chef d'équipe si vous êtes vivant. Si vous êtes mort plutôt. Ah non, moi je peux pas là. Je débusque les japs qui s'enterrent dans les. Ouais, là, je peux pas y aller. Ah mais moi je suis jap en fait. Attends. Ah non, je suis américain. Mais je suis con, j'avais oublié moi. Vraiment pas doué. C'est pour ça que j'ai fait un TK, je suis pas doué. J'ai. Wow. Je pense que je vais pas y arriver si je pars comme ça là. Ah moi je suis sur le côté gauche et ça a l'air tranquille. Ouais, ça a l'air tranquille. C'est quoi devant moi? Des Américains ou des Japonais? Punaise. Vous êtes tous Américains là? Ouais. Ouais, oh, j'ai eu Nichon, la grenade. Ok, sous-entendu. Oh, évidemment. Voilà. Ça c'est vraiment la partie mortier, là. Ouais, joli. Je suis pas mort, mais j'ai pris cher. Ah oui, mais lui c'est vraiment. Aïe. Quand on se fait tirer dessus, le recul de l'arme, on peut même plus tirer droit en fait. Ça part dans tous les sens. Super chaud quoi. Oh putain, tu parles de. Franchement, la peur c'est horrible. Ouais, du mental, ouais. Ouais, tu peux plus viser quoi. Ouais, tu peux plus rien faire quoi, c'est juste horrible. Boum. Oh putain, oh merde, cours. Cours Johnny. Point, là. Ah dommage. On a perdu la première base. Oh non, il y a un mec qui m'a juste sauvé quoi. j'allais me faire planter. Et bah de toute façon je me suis pris une balle par un pote, c'est génial, j'adore, c'est trop cool. Ouais, ça arrive. Ouais. Un peu trop souvent. Alors là, bah tiens, un fumigène, ça veut dire quoi en fait les fumigènes du coup? Tu sais maintenant? De quoi? Les fumigènes, sorte de. Non, pas les. Non, les sortes de fumée rose, verte. Ah, verte? Ah non, je sais toujours pas, non. Bon, ouais, bah là, j'en ai une rose. C'est peut-être funky en fait, c'est pour faire beau. Ouais. Je sais pas si c'est un job ou pas ça. Ah, c'est pas facile de. Non, les deux cas, tu tires. Non, heureusement que j'ai pas tiré, c'était un rythme. Je vois personne, ça m'énerve. Bon, je crois qu'en termes de visibilité, on est tombé sur les deux maps les plus difficiles. Ouais. Ouais. Oh putain. Les mecs qui contournent quoi. Non, on est vraiment avec des mecs qui gèrent, hein, putain. Ou alors des bots. Non, il y a moins de bots que tout à l'heure là. Hein. Mais. Oh. Ah bah non en fait, bon c'était c'est bon, c'est bien, je viens d'avoir un mec à 28 mètres. J'essaie de tempo. Ça c'est vraiment le problème en mode réaliste, si tu demandes sur qui tu vas tirer. Allez, j'aurais pas dû sortir, mais ouais c'est ça le truc. Ah là j'en vois un beau, allez monte la tête mon chouchou. Faut être patient dans ce. Lui aussi, 21 mètres. Il faut les attendre en fait, c'est ça le truc. Ouais, bah c'est un peu le but du. Là, c'est quoi? Ouais, c'est nous qui défendons là, non? Ouais, on défend. Oui. Faut punaise. Se mettre dans un coin et. Oh, putain! Ça aussi, ce genre de truc que tu rencontres souvent, c'est les face à face et ça dure une microseconde, c'est le premier qui appuie sur la détente. Quoi. Ouais. Et j'ai pas été le plus rapide là, d'ailleurs. Non, déjà, on voit mieux là, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Je suis trop lent. C'est pas là où je voulais spawn, le chef d'escouade je le trouve mal placé en plein mitard là. Là je suis dans un village en fait, moi, perso. Ouais, le village qu'on défend en fait. Ouais. C'est un petit village tout mignon. Et sur le sniper il est bien placé là, celui que je wait là, mais. Pas alors toi t'es mort, petit. Toi t'es mort, bah non, t'es vif.
Allez, là tu t'es pris la balle. Putain, il bug hein, les mecs. Ah, non, on respawn tellement loin quand on respawn pas sur le chef des squads. Ouais. On respawn dans au point d'après quoi, c'est quand même ouf. Ouais, il y a intérêt à respawn sur le chef des squads donc. Là j'ai trouvé une bonne position, je suis content là. Parce que les mecs ils essayent de rusher. Mais en général ils y arrivent pas. Sauf par contre les bombes qui tombent juste à côté de moi, c'est moyen. Je vais essayer de passer par là où je suis passé tout à l'heure. Mais sans. Ouais. Sans rusher. Ah mais y'a un mec qui cherche un TK ou quoi? Ah merde! Ils sont où là? Moi je suis toujours dans le petit village. Hein. Oh non, la blessure mortelle! De l'infini! Oh, fait mal. Je suis sûr qu'il y en a, mais je les vois pas. Ouais, il est mort. Oh non, putain le mortier quoi, mais il était super lent en plus. Oh putain, c'est un massacre. Oh non. Oh puis le tir au jugé, c'est quasi impossible. Oh, j'ai fait un bon carnage là. Deux campeurs du fond là-bas. Oh putain c'est Oh merde 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 putain je me prends des tirs de n'importe où. Oh non les en plus il y a plein de snipers. Ah je me suis fait tuer à 100 mètres. Encore lui là. Ah il campe New Chili c'est un bon mec qui campe bien comme il faut. Bon, j'ai, il bouge j'ai pas. Le TK grenade là. Ah là mais je vais me le faire New Chili là, c'est ma mission là. Mon objectif c'est de tuer New Chili tout à droite. Tout sur Yoshimi. Mais c'est pas un bot? Non non. Et niveau 14, je crois. Ah bon, non. Non, c'est. Je sais pas qui est hors. Ah bah tiens, je te suis, allez. 2 minutes 20, putain, c'est pas vite. Bah c'est parce qu'on perd en fait. Ouais, c'est pas faux. Allez, je te suis. Ouais. Dans les marécages. Alors en fait, il est. Là, on va traverser la route. Bon, peut-être qu'il a avancé, donc faut faire gaffe. Mais peut-être que de côté là, on peut le choper en fait. Oh non. D'ici. Il est tout à droite contre la rivière. Ah tiens, il y a une mise à jour, on peut se réapprovisionner. Non mais c'est pas une mise à jour, c'est moi qui ai le bar. Donc tu peux me filer des munitions, ça fait des points. Ok. Bah je t'en donnerai au cas où, mais... Mais vas-y, donne-les moi, ça fait des points. Alors attends, utiliser c'est ah, quoi, il est c'est là. E. Ah non, c'était Ouh pas lui. GG, ah non. C'est quoi utiliser, c'est F, c'est F, quoi c'est F. F. Non, ça marche pas. La touche de base c'est F. E. Bah, E, non plus. Bon. Bah tu regarderas, t'as pas dû la programmer peut-être. Ouais peut-être. Ah ici c'est pas mal, t'as une vue... on a une jolie vue là sur l'ensemble. Ouais mais New Chili il avance pas en fait, c'est ça le problème. Bah au pire on pourrait peut-être venir à eux comme on aurait dit. Sur... Au camion, oh, non, camion, blessure camion mortelle, blessure mortelle, blessure mortelle de merde. Désolé j'ai pas, bon, je j'ai meurs. Pas réussi à l'avoir. Ah putain il était à 89 mètres. Ah il est loin, il est au camion au fond là-bas. Je meurs mais je vois personne. C'est incroyable. Eux ils me voient mais moi je vois personne. Et t'es dans le village là? Hein? T'es dans le village? Ah oh, lol il m'a eu. Ouais j'ai ouais là signe, je suis quoi. En train de spawn sur le point 2. Putain je me sens. 30 mètres. Oh là là mais vive le spawn quoi c'est. C'est bordel. Ah, ah c'est un dawa total. Ah bah là quand ils prennent le point après c'est... Oh putain. C'est la boucherie quoi. Oh là là, il y a un mec... Oh, je me suis fait ventrer. Oh putain. Les faites gaffe, hein, les japonais ils sont arrivés dans le village. Hein. Ah, et puis Ah bah le village on l'a perdu de toute façon. Ma BA de la journée, j'ai filé des munitions à mitrailleur, c'est bon. C'est bon, je peux partir heureux.
Ouais, je joue très très mal. Et là, il y a un très bon moyen pour faire des frags un peu salauds. Tu passes par la gauche derrière le rocher, tu traverses la route et tu te cales dans la forêt. Et comme en fait, ouais. ils te passent devant, mais tu les as de dos, quoi. Tu les as de dos. Ouais. C'est un peu moche, mais ça fonctionne. Anti-jeu. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ouais. Oh, il y a un mec qui a placé un nutshot. Quand tous les requins en face se seront fait dégommer. J'ai un peu l'impression, ouais. Ça va être magique. Hop là. Là, il y a des. Attends, je sens la grenade venir, mais à 50 mètres quoi. Pour aller recul. T'as vivement que j'ai la poignée sur ce bar là. Oh là là, ouais, mais attends, j'ai aucune chance contre des snipes. Putain, moi je suis dans une sorte de tranchée. Oh, la grenade qui me revient dessus. Putain, grenade. Elle a tapé la branche, elle m'est revenue dessus. Putain, mais tu dois surveiller. Le problème c'est que vraiment on peut entourer des gens ici, c'est. Wow. Tu commences à devenir parano sur le jeu. Ouais. Tu vois des mecs partout, tu sais. Oh, il m'a. Cuté à la bayou, l'autre qui m'a pas cover. Sérieux là? Ah non. Le mec il était en camp devant moi, il laisse le Jap me tuer et après il tue quoi. Oh putain. Trop moche. Ah oh, ouais, mais ils sont tous en position, ils sont tous autour du truc et ils nous attendent. Ils attendent qu'on sorte les têtes. Je vais repasser là où j'étais tout à l'heure. Hein. Vu que le mec, à mon avis, va faire le tour. On aura le temps d'en faire une dernière ou pas d'ailleurs? Non, je pense pas puisque. Ouais, ça va être difficile. On atteint bientôt la demi-heure de jeu. Ah ouais, quand même, putain, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Hein. Alors, surtout que cette map n'est pas encore finie donc. Non, mais non, c'est un. Oh, on court. Putain, il y a déjà partout. Oh putain. Je suis bien sorti là. J'ai pas fait un kill depuis 10 minutes quoi, je pense. C'est vraiment super compliqué quoi. Mais cette map elle est super compliquée pour les Américains si je me souviens bien. Ils sont honnêtes super facilement. Pour les Japonais tu veux dire, non? Ouais, pour les Japonais plutôt. Bah en fait ceux qui se font honnêtes c'est ceux qui attaquent quoi. Ouais, c'est ça, pas faux. Bon, en même temps c'est un peu le but d'attaquer quoi. Puisque c'est un territoire et. Wow, je vois des corps tomber par terre, c'est cool. Ça donne vachement envie d'aller là où j'ai envie d'aller. Oh putain, mais j'arrive pas. Dès que je vise, il y a une bombe qui tombe à côté de moi, je peux plus viser. Ah, oh. Il m'a eu au flingue, j'ai dégoûté. Et je me suis fait avoir avec un mortier. Je vais pas réussir à faire quoi que ce soit ici. Celui-là ouais. De points, c'est, je pense que c'est peut-être le plus simple à def, mais je suis pas sûr. Enfin, pour mon avis, c'est un des plus simples. Parce que les Japonais sont coincés à droite, mais ils sont grave coincés, et à gauche, en général, on les prend de flanc. Ouais, mais en plus, je sais pas combien de gens de Japonais ils ont pris mortier, ah, mais il y a un nombre incalculable de mortiers. Après les mecs les ramassent en fait, quand les mecs. Du coup tout le monde a un mortier après, il suffit d'aller chercher des munitions et puis après t'as tous les joueurs qui ont le mortier quoi. Normalement il y en a 3 par map, enfin 3 par 3 côté japonais. Oh, mais non, j'en ai marre, je me fais tuer à 59 mètres. Dans 3 minutes on gagne, il faut tenir. 3 dans 3 minutes ouais. Ouais, ça m'étonnerait mais c'est possible, ce serait si, cool. Si on peut là. On peut. Ouais. Faut tenir quoi. J'ai encore allé les faire chier derrière le rocher. Mais c'est pas vrai, putain, le mec. Je rage. On va voir ce que ça donne. Oula. 2 minutes 30, ouais, c'est possible en fait. Apparemment, ils ont pas l'air de pouvoir passer. Et je me suis pris un coup de sabre. Ok, alors en fait, le japonais, on le voit
même pas un bout de sa manche. On ne voit rien. Je savais qu'il y en allait avoir un. C'était obligé depuis tout à l'heure, on passe par là, donc c'était sûr. Oh, et j'en ai eu un qui a rushé, et l'autre il s'est mis dans la fougère, on le voit pas. Ah, dès que tu spawns, tu te fais own. Il m'a mis un bon coup de sabre. Ça fait mal, quoi. Il a mis les tripes à l'air. Oh non. Grenade. Ah, mais là, c'est vraiment. Ça, c'est peut-être un peu le problème, c'est le spawn kill, quoi. Ah, Narrador Castra, bah, vu qu'il est à moitié toléré, tu mets un bon bombardement derrière les lignes et bim. Ah, ouais, putain, t'arrives, tu te fais démonter, quoi. Grave. Tu comprends la signification de la douleur. Allez, une 35. Et mince, c'est un pote. Oh, ouais, mais non, attends. Ah, j'étais pas au bon rocher en plus. Les mecs ils bombardent la base, mais en mode sale. Plus visé du coup. Ah, mais vive les bombes! Oh. Ah, verrouillage dans une mire. Oh, non, on a perdu le verrouillage. Non, mais c'est juste un rappel en fait. Ok. Bon. Je vais faire le banzai. Je vais courir vers les lignes ennemies. Je me demande combien de temps je vais pouvoir survivre. YOLO! YOLO! Ok, d'accord. Oui. J'ai pu survivre quoi? 3 minutes? Oh, 3 secondes plutôt. Ouais. Je vais peut-être changer de. Enfin, même bien que là, maintenant il reste que 23 secondes, donc c'est un peu con. Oh non, non! Oh. À la baïonnette! Au flingue! Ouais, bah, je connais ça. Oh, je le vois arriver, puis bon, je tire au jugé, mais. Putain, j'ai jamais aussi mal joué de ma vie, c'est dingue. Et j'essaye pas de me donner une contenance. Putain, j'arrive pas à l'avoir, lui, sérieux. Bon. Bah, GG. Ah bah, on a gagné. On a gagné. Enfin, voilà, donc ben pour cette vidéo on va s'arrêter là. Une petite demi-heure, donc un peu moins long que l'autre gameplay, mais bon. Bon, c'était 42 minutes l'autre. Ouais, bon, c'est pas forcément très grave. Donc je vous remercie d'avoir participé. Pas de quoi. Et bah ben, de rien. Et puis on pourra se refaire des parties sans filmer quand vous voulez. On verra. Il n'y a ça. Pas de problème. Voilà. Aucun problème. Donc ben merci beaucoup, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut! Salut!